Président, cette semaine, les Québécois, les citoyens, les contribuables ont appris que les dirigeants de sociétés d'État du Québec, donc de leurs employés, de façon directe ou indirecte, s'étaient octroyés des augmentations de rémunération stratosphériques. 26 % pour le PDG d'Hydro-Québec, 75 % d'augmentation de rémunération pour les hauts dirigeants de la Caisse de dépôt. Alors, on sait, l'OCDE nous le dit, des prix Nobel d'économie nous le disent, une des tares du siècle, c'est l'augmentation des inégalités de revenus. C'est mauvais pour la cohésion sociale, c'est même mauvais pour la productivité. Et au Québec, on a réussi ces dernières décennies à retenir la hausse des inégalités de revenus par rapport à ce qu'on vit ailleurs en Amérique du Nord, ailleurs en Occident. Et l'État doit être exemplaire là-dedans. Mais on sent que sous la gouverne libérale, sky is the limit. Ils trouvent ça bien, 75 % ils trouvent ça bien, 26 % Nous, on appelle le parti au pouvoir de se ressaisir et de voter avec nous une motion qui demande au conseil d'administration d'Hydro-Québec et de la Caisse de reconsidérer ces augmentations et de faire preuve de beaucoup de modération par la suite. Voteront-ils avec nous? Oui, c'est une bonne question. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Merci, M. le Président. J'ai expliqué hier qu'Hydro-Québec, et je le redis pour le chef de l'opposition, je suis convaincu qu'il ne contestera pas cela, qu'Hydro-Québec est la plus importante des sociétés d'État du gouvernement du Québec. Qu'Hydro-Québec, pour assurer sa direction, doit être en mesure d'attirer les meilleurs talents. Et pris isolément, la question du chef de l'opposition pourrait être de dire ben, on prend un revenu ou on prend une augmentation et voici ce qu'on doit considérer. On doit considérer la capacité d'attirer dans ses fonctions ce qui constitue une compétition pour Hydro-Québec. Les autres sociétés de services publics au Canada, aux États-Unis, les autres sociétés qui sont dans des domaines apparentés dans le secteur privé. J'ai indiqué hier que la rémunération du président-directeur général d'Hydro-Québec est la plus basse lorsqu'on fait une comparaison ailleurs au Canada, dans le secteur public ou dans le secteur privé. Hydro One, dont la rentabilité est bien moins bonne qu'Hydro-Québec, dont les bénéfices sont bien moins bons qu'Hydro-Québec, rémunère à 4,4 millions son PDG. Premier complémentaire, monsieur le chef de l'opposition. C'est exactement l'argumentaire du 1 % Il y a toujours quelqu'un dans une job semblable qui fait davantage. Donc, il faut monter. Une fois que tu as monté, tu regardes, regarde, moi, j'ai plus que toi. Est-ce que toi, tu vas monter? C'est cette spirale qui est délétère. Alors, oui, Hydro One a 4 millions. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à moins d'un million, le nôtre est incompétent? Ça n'est jamais arrivé qu'un de nos dirigeants de la Caisse ou d'Hydro soit embauché par une entreprise qui offrait plus d'argent. Ce n'est jamais... Monsieur le ministre de l'Énergie. Bien, d'abord, je m'inscris en faux avec la dernière déclaration du chef de l'opposition. Hydro-Québec, c'est quoi? C'est un bénéfice net qui est en augmentation. C'est 20 000 employés. C'est 4 milliards de dollars cette année dans les coffres du gouvernement avec les dividendes qui sont payés et avec l'ensemble des sommes qui sont versées par Hydro-Québec. C'est près de 4 milliards dans l'économie du Québec en investissement. Le succès d'Hydro-Québec, M. le Président, c'est le succès de tous les Québécois. Et les Québécois, pour pérenniser ce succès, doivent s'assurer d'avoir les meilleurs. Et malgré tout, la personne qui est à la tête d'Hydro-Québec est celle qui est la moins rémunérée de toutes les sociétés comparables. Vous cherchez quoi exactement? De mettre Hydro-Québec dans une situation qui est incapable? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. S'il vous plaît. J'essaie de rétablir un sentiment de silence et en même temps qu'on puisse vous écouter convenablement. Monsieur le chef d'opposition, nous écoutons. Deuxième complémentaire. Éric Martel, l'excellent président d'Hydro-Québec, a pris une baisse de rémunération pour aller à Hydro-Québec. Pourquoi? Parce que dans la carrière d'un homme d'affaires ou d'une femme d'affaires, diriger la Caisse ou Hydro-Québec, c'est un privilège exceptionnel. Et jamais on aura de difficulté à convaincre quelqu'un de venir à Hydro-Québec et à la Caisse, quelqu'un d'extrêmement compétent, comme on n'a jamais de problème à trouver un premier ministre, même si c'est moins payé que dans le privé.
Ça s'appelle le service public. Pourquoi le ministre ne comprend pas ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. On recommence. J'entends bien votre voix, M. le député de Saint-Guinée. Je l'entends trop. M. le ministre de l'Énergie. Le choix du service public, je le comprends, je l'ai fait moi-même. Vous l'avez fait vous-même. M. Martel l'a fait lui-même et il l'a expliqué hier. Mais est-ce que parce qu'on fait le choix d'un service public et qu'au moment où on considère la rémunération par rapport à des emplois comparables sur le marché et qu'on constate que cette comparaison-là nous met au bas de l'échelle, vous suggérez, vous, qu'on le descende au sous-sol? Le succès des Québécois mérite plus de reconnaissance que ça. Et j'aurais cru, moi, que comme chef de l'opposition qui aspirait à devenir premier ministre un jour, vous défendiez les fleurons québécois plutôt que de les complaire dans la médiocrité. La qualité des gens que nous recrutons, monsieur le chef de l'opposition, mérite la rémunération que nous leur offrons. S'il vous plaît. Troisième complémentaire, monsieur le chef de l'opposition. Si l'argumentation du ministre était valide, c'est 4 millions qu'il faudrait lui donner à Éric Martel, ou plus. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. On parle aussi de l'acceptabilité sociale au Québec pour que Hydro-Québec soit vu comme un fleuron. Puis si c'est vrai que ça prend 26 % d'augmentation cette année pour être juste, est-ce que ça veut dire que l'an dernier, on le sous-payait et que Thierry Bandal était sous-payé? Ça n'a pas de sens. C'est une spirale ascendante qu'il faut casser. Faites-le avec nous. S'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, ce que le chef de l'opposition refuse de considérer, c'est que pour assurer la pérennité de la plus importante société d'État, qui contribue à hauteur annuellement de plus de 4 milliards de dollars, le 4 milliards de dollars, il ne met pas dans les poches du gouvernement, il le donne aux Québécois comme un rendement, ce qui permet justement au gouvernement de faire des investissements et de réduire la charge des Québécois. Vous souhaitez avoir quelqu'un qui est sous-payé alors qu'il est déjà au bas de l'échelle dans l'ensemble des sociétés comparables. Alors, très sincèrement, Monsieur le chef de l'opposition, vous devriez avoir de l'ambition pour le fleuron que représente Hydro-Québec dans l'ensemble de l'économie du Québec.